Ceci n'est pas un remake de la mythique photo des Beatles ou une performance artistique bizarre, c'est la manière originale qu'ont trouvé des Espagnols de protester contre le tourisme de masse. La scène s'est passée dimanche 25 août à Omorazzo, en Galice. Les personnes que vous voyez traverser, ce sont des habitants qui n'en peuvent plus, mais alors plus du tout, de l'incivilité des touristes qui visitent leur commune. Pour protester, ils ont décidé de bloquer les routes à leur manière. Leur technique, traverser les passages piétons en continu pour empêcher les voitures de touristes d'accéder à la plage. Le code de la route indique clairement que si des piétons traversent un passage clouté sans feu de circulation, les véhicules sont dans l'obligation de les laisser passer. Ce dimanche, entre 60 et 80 personnes se sont retrouvées à 11h30 pour participer à l'opération. Le blocage a duré une vingtaine de minutes et a créé un sacré bouchon. La semaine précédente, les manifestants avaient perturbé le trafic routier pendant 37 minutes. Nous en avons assez que les voitures se garent où elles veulent, en toute impunité, sans aucune amende. Chaque année, ça empire. Nous avons atteint nos limites, se désespère Esperanza Beiga, une habitante. Les dates de protestation ne sont pas choisies au hasard. Dimanche était une journée particulièrement ensoleillée et propice à attirer les touristes. L'Espagne aura accueilli plus de 40 millions de vacanciers cet été et des régions comme les Baléares, les Canaries et la Catalogne sont particulièrement affectées par le surtourisme. Les habitants descendent fréquemment dans la rue pour réclamer plus de contrôle. Ils dénoncent les nuisances sonores, la pollution, la congestion des infrastructures de transport ou encore la flambée des loyers.